Montréal.tv est à l'inauguration de l'espace Provence et tout ça se passe dans l'événement Bouffon Montréal du 15 au 30 juillet au quartier des spectacles. Nous avons 2600 ans d'histoire. Nous avons des villages superbes. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu votre implication dans cet événement. Vous êtes tous impliqués avec Bouffon Montréal. Pourquoi, en fait, avoir choisi Montréal? D'abord parce que j'aime beaucoup le Québec. Ma fille est canadienne et française. L'autre faisait ses études à HEC Montréal. Et donc, je sais qu'ici, avec l'opération Bouffon, il y a beaucoup de monde. C'est une bonne ambiance. C'est sympathique, c'est gai, c'est vif, c'est plein d'humour. Et c'est un peu comme chez nous en France, en Provence, où vous avez la qualité de vie, où vous avez la dégustation, où vous avez l'œnologie, où vous avez le sport, où vous avez notre territoire de Provence. Énormément de Québécois en fait viennent déjà en France et plus particulièrement dans la région de Provence. Et avec l'ouverture de Air Canada, nous avons déjà Air Transat. Nous pensions que c'était une très très bonne idée d'unir nos forces en fait pour être là à Montréal pour ce grand festival. La Provence n'a jamais été aussi proche de Montréal. On a 8 vols par semaine maintenant avec Air Canada et Air Transat. Et donc on s'est dit qu'il était important que la Provence vienne à Montréal pour qu'on explique un petit peu plus ce qu'il y avait à faire chez nous. Il y a aussi toute une nouvelle offre qui se construit en ce moment en Provence, au niveau des musées, au niveau de l'art contemporain. Donc d'où aussi ce slogan, la Provence, vivez l'inattendu. Cette ligne directe amène tous nos amis nord-américains, on vient de New York, pour venir après directement chez nous, gagner du temps à la douane, arriver plus vite pour les transports et se retrouver dans un schéma où tout de suite ils peuvent boire un bon rosé frais, jouer à la pétanque et rire tous ensemble autour devant des monuments ou des immeubles magnifiques. Souvent, les Québécois et les Canadiens au sens large n'ont pas conscience de la diversité des choses qu'il y a à faire en très peu de temps. C'est-à-dire en une demi-heure de route, on peut être à Saint-Tropez, comme en plein cœur de la deuxième ville de France, comme dans des parcs naturels. Et ça, c'est une vraie richesse, la vraie richesse de la destination que les Québécois adorent. Donc après, pour venir, effectivement, on présente ici sur le stand, on explique bien les routes, où est-ce qu'il faut aller en fonction de ce que chacun attend, puisqu'on a tellement de choses à proposer, on a cette chance. Et là, on a une grande nouvelle, en fait. Le grand Grand Prix Formule 1 qui va se dérouler justement chez vous. Parlez-moi-en un petit peu. Oui, tout à fait. Il se déroule juste à côté dans le département du Var, au Castellet, le circuit de Paul Ricard, le circuit mythique en fait. Et ça sera juste après le Grand Prix du Canada, le 24 juin 2018. C'est un circuit de légende et nous sommes très contents de pouvoir accueillir à nouveau ce Grand Prix. Et cela va contribuer à développer encore toute la région de Marseille jusqu'à Nice. On est ici aussi à Bouffon, Bouffon Montréal, qui est en fait un événement. On peut goûter toutes sortes de choses et on peut aussi jouer à la pétanque. Parce que pour vous, la pétanque, c'est un sport. On peut aussi jouer, mais il faut aussi jouer à la pétanque. Oui, la pétanque, c'est un sport, mais c'est aussi un rassemblement convivial. C'est-à-dire en France, surtout dans le sud, on joue le dimanche après un bon repas, un bon déjeuner le midi, arrosé avec du rosé justement. Et on joue, tous les enfants jouent, les parents jouent, on mixe les équipes, les familles, c'est très très bien. Elle a très bien pointé. Yes! Yes! Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours vous rendre ici sur place à l'Espace Provence ou tout simplement aller sur le site internet ca.france.fr.